Bonjour à tous la famille, je vous salue, moi c'est Bogim Sonoke, je sais que nombreux sont les gens qui ne m'ont pas vu, ils ont vu uniquement mes vidéos. Mais je vous remercie d'abord pour vos encouragements, j'avance avec vous, j'aimerais aussi que vous avancez au même rythme que moi. Je vous ai montré mes débuts dans le dépannage, dans le GSM, que ce soit hard ou soft. Mais c'est que dans soft, je ne vous ai pas très bien montré les débuts pour un débutant, par quoi commencer. Mais je pense qu'en électronique, je vous ai montré comment commencer, vous en servir d'un briquet pour pouvoir changer de circuit de charge. Et aujourd'hui, sans vous remercier, sans vous mentir, grâce à vos encouragements, à vos likes, à vos commentaires, j'ai changé. Désormais, j'ai ouvert mon propre atelier. J'ai une alimentation, comme vous êtes en train de le voir là, l'alimentation qui nous permet de démarrer les téléphones ou bien de détecter si, de reconnaître si le téléphone est en court-circuit. J'ai aussi ma station à air chaud. Donc, nous n'utilisons plus le briquet. Et c'est grâce à vous. Et vraiment, j'aimerais qu'on avance tous ensemble. D'ici peu, bon, c'est qui est sûr. Demain, je vais vous montrer comment utiliser cet appareil pour pouvoir changer le circuit de charge en quelques secondes. Même moins d'une seconde, j'ai déjà changé au moins le circuit d'un téléphone. Donc, ici, avec cet appareil, c'est plus rapide et plus pratique et plus professionnel. Et pour tous ceux qui veulent cet appareil, n'hésitez pas à me contacter uniquement si vous êtes sur le territoire camerounais ou bien vous revenez à la boutique située au Carrefour Explosif. Je ne suis pas caché, Bogim son locker. Et cependant, je vous dis, et en concernant le modem de MTN, je vais vous montrer comment craquer ce modem. Je vais vous montrer, ne vous dérangez pas. Vous allez voir par rapport en craquant le modem TR118 de Orange Airbox. Quelqu'un a mis en commentaire qu'il aimerait savoir comment craquer ce modem. Mon frère, ne te dérange pas. Cette vidéo est faite pour toi, mon frère. Je te montre comment craquer ce modem. Ok, on se retrouve sur mon ordinateur. Eh bien, salut à tous. Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo de Bogim Sonoke. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous apprendre à comment craquer le tout nouveau modem de MTN N30S. Et sur cette vidéo, je vais vous montrer les étapes par suivant. Et cette vidéo, durant la procédure, la vidéo va continuer avec un petit générique jusqu'à la fin. Dans les parties qu'il serait très important pour moi de vous expliquer, je vais le faire. Ok. Nous allons d'abord ouvrir le logiciel, en fait. Le setup du logiciel, nous allons ouvrir le logiciel qui va nous permettre de craquer notre modem. Quand le logiciel s'ouvre, ensuite nous allons sélectionner l'option 3, Skype, installer Web Skype, ouvrir Chrome automatique. Donc nous allons taper sur l'option 3 et ensuite appuyer sur Entrée qui va ouvrir le navigateur automatiquement et nous allons l'installer. Déjà, j'ai déjà eu à craquer un modem par il y avait plusieurs modems. Et j'ai décidé de vous montrer les étapes à suivre, raison pour laquelle je veux resupprimer en fait la plateforme pour vous montrer les procédures que j'ai dû faire. Donc je vais resupprimer et puis réinstaller. Et de la même façon, vous allez toujours faire pareil pour pouvoir craquer votre modem MTN. Et cependant, je pense que la vidéo va finir avec un petit générique. Ce qu'on voit, ce qu'on dit, ne reflète pas qui je suis. Que Dieu nous délivre. Ce qu'on voit, ce qu'on dit, ne reflète pas qui je suis. Ça ne reflète pas qui je suis. Ça ne reflète pas qui je suis. Les hauts, les bas, les routes de la vérité. Et tu ne fuiras pas. Je suis des lances des lits, que Dieu nous délivre, ce qu'on voit, ce qu'on dit.
je suis. Non, ça c'est pas qui je suis. Les hauts, les bas, les routes, la vérité est pas qui je suis. Sans dire un mot, sans dire un mot, j'ai encaissé sans dire un mot. Sans dire un mot, j'ai pris des coups sans dire un mot. Sans dire un mot, j'ai encaissé sans dire un mot. Sans dire un mot. Bon, ici, nous allons modifier la graisse IP, notre modem. Nous allons entrer dans paramètres de l'appareil. Ensuite, nous allons entrer dans options avancées. Vous avez vu là, nous allons le modifier. Vous allez voir et vous suivez les mêmes instructions pour modifier le IP de votre modem. Ici, comme vous pouvez le constater, quand nous allons lancer le déblocage, toutes les lumières du modem doivent clignoter en permanence, comme vous êtes en train de le voir là. Donc, c'est le déblocage qui est en train de s'exécuter. Donc, si vous lancez le déblocage et que les lumières ne clignotent pas, c'est que vous avez mal suivi la procédure. Vous avez vu, notre modem vient tout juste d'être débloqué. Nous allons mettre une carte SIM orange et vous allez voir maintenant, ça va. Donc, ici, comme vous êtes en train de le voir, voilà. Désolé, voilà la carte SIM orange que vous êtes en train de voir.
et c'est ça que nous allons mettre dans notre modem et vous allez voir, ça va voir le résultat. C'est ainsi qu'on craque tous les modems de MTN. Vous allez m'excuser, on classe nos places, mettons bien la carte. Donc nous avons mis du mauvais sens, nous avons le rendez-vous. On remet le sens. Donc tant mieux, même si j'ai mal mis la cible, parce que pour rendre la vidéo plus courte, nous allons le démarrer. Si j'ai mal mis la cible, c'est que je suis vraiment désolé. On patiente pour moi et ça va voir le réseau. Bon, dans tous les cas, c'est de cette façon qu'on débloque les modems MTN. Donc du moins, j'aurais mal mis la cible parce que je n'ai pas d'autre carte. Donc le temps pour moi d'aligner, c'est un peu difficile. Donc nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo. Et pour l'annonce de mon projet qui est en cours, bogimsonlocker.com, ce serveur sera bientôt disponible pour tous vos services de déblocage ou d'activation de logiciels. Et si vous avez besoin de n'importe quel service ou bien d'activation de logiciels, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà notre modem qui a pris le réseau comme vous êtes en train de voir. C'est la puce orange qui se trouve à l'intérieur.